Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petit diorama pour le Broly Full Power. Donc voilà, je voulais lui faire un petit décor en lave, en rocher, en fusion. Une idée qui m'a été trouvée par un gars du Discord de Dragon Ball. Donc voilà, là j'avais déjà préparé un socle en fait pour pouvoir cacher le socle principal de Broly, hein, pour que ça se mette bien avec les trous, tout ça, pour que après je puisse bien l'enfiler. Voilà, tout simplement. Et ça va être dessus la plaque de liège ici présente. Après, je fais le contour pour pouvoir ensuite avec le cutter découper la matière et faire le trou pour que le socle puisse passer à l'intérieur et pour pouvoir garder la matière pour les rochers plus tard. Donc là, voilà, je fais les petites finitions pour que le socle rentre bien. Voilà, c'est nickel. Donc là, vous voyez que le socle rentre impeccablement bien. Pas besoin de colle, il se place directement. Je mets juste de la colle pour le carton et non pas pour le socle pour que le carton reste à l'endroit. Il faut quand même que ça soit soutenu. Ensuite, je prépare les petits rochers. Vous placez tout ça pour que ça vous fasse un rendu et que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça pourrait donner. Bien entendu, là, ça ne donne rien puisqu'il n'y a pas de couleur, c'est fade, il n'y a rien du tout, c'est pas beau. Mais vous verrez que à la fin, ça va être magnifique. Donc voilà, là, vous pouvez voir tous les rochers que j'ai mis. J'en ai même mis sur le socle en lui-même. Donc j'avais pris des cure-dents avec le liège et j'ai planté tout ça pour que ça tienne mieux. Et ensuite, pour faire un effet de lave, c'est tout simple. Vous prenez un pistolet à colle et vous faites vos coulées de lave, hein, des coulées de lave logiques, bien évidemment. Vous faites une base et après, vous en rajoutez un petit peu partout. Et vous attendez que ça sèche un peu et vous refaites un petit peu les mêmes tracés pour que la lave soit un petit peu plus épaisse, etc., etc. Vous en mettez un petit peu partout et après nous allons passer à la couleur. Donc voici le petit rendu avec voilà, le pistolet à colle, les petits effets de lave plutôt sympas. Il y a des filaments qui vont rester, donc n'hésitez pas à les retirer. Ça ne va rien vous coûter, juste plus de détails et que ce soit beaucoup plus propre. Vous allez ensuite prendre de la peinture rouge et mettre véritablement de la peinture rouge partout, bien étalée, sauf sur la colle. Que je viens de disposer pour la lave. Les couleurs sont très très importantes pour le rendu. Alors soyez vraiment minutieux, prenez du temps. Moi, pour avoir fait ce diorama, et encore il y a pas mal de petits défauts encore je trouve, hein, ce n'est que mon quatrième, il m'a fallu à peu près 7 heures de travail. Donc voilà, donc là vous passez véritablement partout, vous faites vraiment le tour, que ce soit devant, derrière, vous faites véritablement le tour. Là on peut voir clairement la distinction des petits pointes de colle pour le rendu lave. Donc voilà, tout est en rouge et ma deuxième couleur qui va tout simplement être du orange. Et le orange, nous allons le passer tout simplement sur justement les coulées de lave, donc vous en mettez véritablement partout, hein. Moi j'ai pas hésité à absolument tout faire en orange, et dans tous les cas avec la colle ça va un petit peu se retirer, ça va pas être aussi flagrant que ça. Donc voilà, vous en mettez un petit peu partout et surtout sur le bas en fait. N'hésitez pas à rajouter, voilà, du orange sur tout le bas des rochers, sur le socle en lui-même, un petit peu de pointe orange pour pouvoir faire une sorte de dégradé, que ça fasse un petit peu explosion de lave. Vous voyez que je travaille avec minutie, on peut voir ma tête en gros plan, je ne fais même plus attention à la caméra. Donc voilà, on détaille vraiment à fond, que ce soit devant, derrière, il faut absolument tout faire. Donc voilà, là on peut remarquer la différence entre le orange et le rouge. On peut voir aussi que sur le socle en lui-même, il y a pas mal d'orange, hein. N'hésitez pas à étaler un tout petit peu sur les côtés des coulis de lave pour que ça donne un rendu un petit peu plus explosif. Nous allons ensuite passer au jaune.
Hein, et là, le jaune va falloir être vraiment précis aussi. Alors, j'ai essayé plusieurs techniques pour que ça fasse vraiment comme si il y avait des petites bulles de lave qui pétillaient, hein, à cause de la chauffe. Et en fait, voilà, au début, je m'y suis pris avec un pinceau. Je voulais faire des petites gouttelettes avec le pinceau, ça fonctionnait pas. Donc, j'ai pris un tout petit morceau d'éponge et avec les trous qu'à l'éponge, ça m'a permis de faire des petites pointes jaunes plutôt sympathiques. Donc ça, il va falloir le mettre aussi sur la lave et un tout petit peu sur le socle et sur les bas des rochers, mais vraiment très 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 léger. C'est important, faut que ce soit super super léger, car ce diorama là, même s'il paraît petit, pas trop détaillé, c'est vraiment le jeu de couleurs qui va tout faire. Donc là, on peut clairement voir que j'essaye de détailler un maximum, vraiment des petites pointes par-ci par-là pour éviter que ça, qu'il y ait encore trop trop de rouge, même si le rouge, ça va être vraiment la base principale de la colorisation de ce diorama. Mais il va falloir quand même faire des sortes de dégradés, hein, pas spécialement attendre que ça sèche. Enfin, je veux dire, y allez pas au bout d'une heure, au bout de 20-30 minutes, ça peut être bon. Vous commencez à mettre les autres couleurs, il n'y a aucun problème. Moi perso, j'ai fait tout d'une traite, donc voilà. Donc là, on détaille encore un petit peu. Voici le rendu avec les trois couleurs de base, donc le rouge, le orange et le jaune. Il y a encore des couleurs à mettre. Il y a le noir qui va être très très important aussi et qu'il va falloir disposer sur le dessus des rochers avec un pinceau sec, hein, vraiment un pinceau sec. Donc vous étalez de la peinture et vous l'essuyez le pinceau sur une surface et après vous pouvez faire ce petit dégradé de noir, de roche vraiment en fusion, cramé par la lave. Donc ça va surtout être du noir très concentré sur le dessus de chaque rocher et plus on part vers le bas du rocher, plus on va moins appuyer pour vraiment donner cette impression de dégradé, de roche en fusion. Et je trouve vraiment le résultat, même là maintenant, plutôt pas mal. Donc ça, c'est pareil, ça va être quand même du travail, de la précision. Vous faites ça comme vous le souhaitez, vous prononcez les couleurs comme vous le souhaitez. Et vous voyez que vraiment le noir sur du rouge, avec du orange et du jaune, ça rajoute vraiment du peps, ça rajoute de la vie à ce diorama. Alors on peut voir directement que même tout seul, ça pourrait le faire en fait. On se rend bien compte de l'objectif et c'est juste magnifique en fait. Donc voilà, hein, le rendu. Et là, nous allons rajouter du gris. Alors le gris va être très important aussi. On va utiliser la même méthode qu'avec le noir, tout simplement. C'est-à-dire que déjà, on va mélanger la peinture si vous n'avez pas de gris directement. Et en fait, on va discrètement frotter sur les parois des rochers pour que ça fasse, voilà, une petite illusion de luminosité sur les rochers. Vraiment, voilà, c'est vraiment des mini détails qui ne sautent pas aux yeux, mais c'est ça qui va faire toute la différence. Après le gris, vous allez pouvoir rajouter des petites pointes blanches par-ci par-là si vous le souhaitez. Moi, c'est vrai que j'ai pas pu le filmer, j'avais plus de batterie, mais je peux vous jurer que j'en ai mis un tout petit peu. Donc là, voici le rendu. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que le rendu vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à me montrer si vous avez fait le même diorama que moi. En tout cas, ça a été un plaisir. À chaque fois, c'est des découvertes parce que j'utilise pas les mêmes méthodes et surtout, je ne fais pas les mêmes dioramas pour toutes mes figurines. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. Peace, mais pas sur moi. PS, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir d'autres vidéos de diorama, parce qu'en vrai c'est super cool, même si c'est très long à monter.